Le projet que nous portons rassemble véritablement tout le Val-de-Marne, toutes les sensibilités val-de-marnaises. Nous avons un site exceptionnel. Exceptionnel, j'ai l'habitude de dire que ce site a zéro défaut. 25 millions de passagers à l'aéroport, 20 millions de clients tous les ans dans le centre commercial de Bellevue qui est face à ce futur équipement. On est donc bien dans un lieu qu'il ne s'agit pas d'inventer, mais qu'il faut juste révéler et mettre à la hauteur, au niveau des enjeux de la construction du Grand Paris. Le Val-de-Marne est une grande région de rugby. Nous sommes le seul département de l'île de France qui a une progression de 9,5% sur les deux dernières années chez les jeunes et 4% chez les filles. Les gamins sont là dans ce département, amoureux du sport. Les gens, les entraîneurs, ceux qui travaillent autour du sport ont envie d'avoir et d'accueillir un grand événement. Ça, c'est indéniable. Et donc, je pense que ce lieu, ce projet-là, est porteur de ces valeurs et de cette énergie qui va amener un très très beau projet. Je tiens également à remercier la Fédération française de rugby qui amène un projet merveilleux pour la France, qui permet de pouvoir faire rayonner le sport en France. Nous avons un mental, mais je dirais aussi un moral à toute épreuve, des qualités indéniables et des équipes d'ores et déjà mobilisées pour caler très précisément nos propositions sur les besoins exprimés par la Fédération française de rugby.